Bon, maintenant, on est censé recruter. Trop vite, tu n'as rien de prévu. On pourrait se louer un holo après le travail. Ah, c'est gentil, mais ça ira. En train de draguer. Un peu de célibat ne me tuera pas. On pourrait se visionner flotte et flottille. Il a eu plusieurs récompenses pour sa peinture des relations entre Turiens et Cariens. Au pire, j'ai toujours ce programme de stimulation nerveuse intégré à ma combinaison. Et on dit que les scènes d'amour sont... Hein? Oh, ouais. C'est en dotation standard sur nos combinaisons. Là, je l'enclenche. Vous permettez, humain? C'est une conversation privée. Dégagez, oh, d'accord. Non, mais ce truc de stimulation, je sais pas, ça doit être un sextoy intégré à la combinaison, un truc comme ça. Bon, il y a la fameuse quête que je me demandais quand est-ce qu'elle allait s'activer avec le marchand d'esclaves. Je croyais l'avoir fait, du coup, enfin, c'est vrai que tout ça, ça m'avait mis le doute. Bah, du coup, je vais la faire maintenant. C'est rapide. Tout ira bien. Je trouverai une solution. Vous disiez que Synthetic Insights serait intéressé, qu'il m'achèterait les yeux fermés. Je pensais qu'une spécialiste en IA les intéresserait. Bonjour, je peux quelque chose pour vous? Libérez votre esclave maintenant. Nous préférons le terme de servage. Je n'ignore pas que les esclavagistes butariens ont rendu les humains particulièrement ombrageux sur la question. Avant de vous emporter, sachez que cette carienne a signé l'accord de son plein gré, et son contrat de servage est pleinement légal sur Ilium. Si vous tenez à l'aider, persuadez le représentant de Synthetic Insights de racheter son contrat. Et si je l'achetais moi-même? Je la laisserais partir et chacun y trouverait son compte. L'offre est galante, mais j'y vois trois problèmes de taille. Tout d'abord, ses compétences techniques justifient un contrat chiffré à quelques centaines de milliers de crédits. Il y a aussi une indemnité à payer en cas d'interruption précoce de ma période de servage. Exactement. Et enfin, vous êtes manifestement un itinérant. Et son contrat de servage lui impose de rester sur Ilium. Je ne veux pas qu'il me revende à l'autre bout de la galaxie. Comment est-ce que la carrière en est arrivée là? J'ai joué en bourse. Je suis plutôt douée avec les chiffres. Je croyais avoir une recette infaillible pour me remplir les poches. Résultat, j'ai tout perdu. Ensuite, entre les lignes de crédit et les emprunts douteux, mes dettes ont explosé. Vous voyez le tableau? Comme stipulé par contrat, j'ai épongé ses dettes. D'ici 5 ans, elle repartira sur de nouvelles bases, tout en justifiant d'excellentes références professionnelles. Super. Sauf si vous égarez ces papiers et décidez subitement de la retenir plus longtemps. Tous les contrats sont visés par le service juridico-légal d'Ilium. Dans un cas tel que vous le décrivez, c'est à moi qu'incomberait la charge de la preuve. Aucun système n'est parfait, mais des garde-fous sont en place pour protéger toutes les parties. Si l'esclavage est légal, pourquoi essayez-vous de vendre la carrière? Parce que c'est mon métier. Je suis courtière en contrat de servage. Je pensais que Synthetic Insights sauterait sur l'occasion de s'offrir une experte en ingénierie IA, mais ils ne m'ont fait aucune offre. Pourquoi ne pas la garder? Vous disiez qu'elle était qualifiée. Les mesures d'hygiène, indispensables aux Cariens, imposent des investissements coûteux. Au final, je ne dégagerai qu'un profit dérisoire, et encore. À chaque jour qui passe, je perds plus d'argent. Et si jamais Synthetic Insights refuse de m'acheter? Il y a toujours une solution. Je prendrai soin de toi. L'esclavage est donc légal sur Ilium. Le servage ne dure qu'un temps déterminé, ou jusqu'à ce que certaines conditions convenues au préalable soient remplies. Ilium doit valider chaque contrat. La loi circonscrit mes options disciplinaires et encadre sévèrement les tâches que je peux légalement lui assigner. Je suis également tenu de veiller sur sa santé. Tout abus est passible de lourdes sanctions. J'irai parler moi-même aux représentants de Synthetic Insights. Vraiment ? Je vous en serai infiniment reconnaissante. Ouais, c'est vrai que sur le moment, on se dit, l'esclavage, c'est pas cool. On a l'impression que cette pauvre carienne s'est fait manipuler, mais au final, c'est la meilleure solution pour elle, quoi. Sinon, elle serait vraiment dans la merde. Non, pas de problème. Je peux vous aider, peut-être? Que diriez-vous de mettre la main sur une experte carienne en ingénierie IA? Adressez-moi un CV et je... Attendez, il s'agit de l'esclave? Synthetic Insights n'est pas intéressé par l'achat d'esclaves. Nous sommes déjà assez étroitement surveillés par les services conciliens sans recourir à des pratiques ouvertement désavouées par le Conseil. Pour être franche, c'est à peine si on recrute en ce moment. Depuis l'assaut des guettes sur la citadelle, l'intelligence artificielle ne fait plus vraiment recette. Il semble que Synthetic Insights s'inquiète de sa réputation. Recrutez la carienne et faites d'une pierre deux coups. Je ne vous suis pas. En quoi l'achat d'une esclave servirait notre réputation?
Rachetez le contrat, moins les indemnités de révocation. Ensuite, affranchissez la carienne et remboursez-vous sur ses salaires. La flotte nomade serait reconnaissante. Et plus que disposée à se fournir chez vous. Oui, je vois ça d'ici. Synthetic Insight s'affranchit une esclave. Et carienne de surcroît. Les retombées seraient énormes. C'est d'accord, je rédigerai le contrat. Le conseil d'administration risque de ne pas apprécier, mais c'est une occasion à ne pas rater. Mais cette carienne a intérêt à en valoir la peine. Et voilà. Et merci Tali pour l'argument supplémentaire. Synthetic Insights vient de m'adresser le contrat. Je ne vous remercierai jamais assez. Y a pas de quoi. Tenez, pour votre peine. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois transférer ce contrat. Merci. Je serai plus prudente cette fois. Bon, en même temps, t'as plus le choix, t'as plus un rond. Bon. Donc là, maintenant, je suis censé... Excusez-moi. Je suis censé... aller recruter la probatrice, selon vos votes. Mais d'abord, on va aller refaire un petit tour sur le Normandie. Parce que, bon, bah, ça se passe toujours sur Ilium, je pourrais enchaîner directement. Mais là, il serait pas mal que je retourne sur le Normandie. Oui, il est en voyage rapide, directement. Carte. Non, on peut pas. Putain. Des fois, ma souris a bug, à part en l'air. Tout à l'heure, ça m'a fait faire une grosse connerie sur un programme sur lequel je suis en train de faire un truc en ce moment, mais je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est pour des futures vidéos que je préfère garder secret pour l'instant. Je l'ai perdu quelque toi. Part près du terminal. Excusez-moi, je me bats contre la fichue bureaucratie d'Ilium. Et tu bug aussi. Ce serait pas ce médaillon que vous cherchez par hasard. Oh, Steven. Merci. Merci tellement. Ma fille était très jeune lorsqu'il est mort. C'est le seul souvenir qu'elle a de lui. Acceptez ce cadeau. Les bureaucrates m'en auraient demandé 10 fois plus pour seulement autoriser les recherches. C'est horrible, Ilium, quand même. C'est des putains de rapaces, en fait. C'est une grosse planète de capitalistes, en fait. Bon. Donc on retourne vite fait donc sur le Normandie. Hop, je peux passer cette scène s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais passer la scène. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Putain, je peux pas passer la scène, fais chier. Pour l'utilité qu'elle a, merde quoi. Kelly! Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal. Oui, c'est intéressant, mais. Que puis-je faire pour vous? Comment va l'équipage? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Garus est sur des charbons ardents depuis qu'il a reçu un message. Vous devriez peut-être aller le voir, il est à la batterie principale. Autre chose, commandant? Ok, je vais aller voir Garus. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Alors, message non lu. De Morlan. Désolé mon beau, mais je vais devoir te quitter pour une assérie. Il faut dire que tu es loin d'être aussi bien équipé. Vous redoutez ce genre de déclaration? Rassurez-vous, la célèbre boutique en ligne de Morlan vous propose de nombreuses améliorations non soumises aux réglementations commerciales de la Citadelle. Que vous souhaitiez bénéficier d'une petite hormonothérapie, d'une implantation cybernétique ou d'une xénogreffe génébiotique, Morlan dispose d'une importante sélection d'améliorations, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Ça fait peur quand même. Hein. Quel que soit votre genre et votre espèce, suivez le lien inclus dans ce message pour passer commande dès maintenant sur le formidable site extranet de Morlan. La disponibilité des produits proposés dépend de la réglementation, des réglementations locales. Tous les produits de base à base d'éléments zéro sont soumis à des frais d'expédition supplémentaires. Aucune livraison ne sera possible vers Omega. Aucun organe reproducteur Krogan ne sera proposé à la vente. Pardon. D'autres restrictions peuvent s'appliquer, sans préavis. Putain, j'ai du mal à lire, décidément. Thérapie. De... Ah, Anola, c'était un mec sur Noveria, je crois. Shepard, ils prétendent que vous êtes toujours en vie.
que vous avez échappé à une mort certaine. Que vous envoyez ce message n'est pas qu'un exercice utile censé me faire progresser dans ma thérapie. Il raconte beaucoup de choses. Je suis toujours vivant, mais elle ne le sera plus jamais. J'ai entendu dire que vous aviez tué Benedia. Félicitations. J'espère que les informations que je vous ai fournies ont pu vous aider dans ce sens. J'aurais ainsi causé la mort d'une femme de plus. Il souhaite que je vous remercie. Les Rachni nous auraient tous tués si vous n'étiez pas arrivés. Les choses auraient alors été différentes et peut-être plus justes. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure et que je sois épargné? Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé quelques instants plus tôt? Ils pensent qu'ils peuvent me guérir. Finalement, peut-être que vous n'avez pas réellement survécu. Peut-être suis-je mort moi aussi. Peut-être n'ai-je jamais fermé cette porte à temps. Peut-être l'ai-je en fait maintenue ouverte suffisamment de temps pour lui laisser une chance de se sauver. Les Rachni auraient alors déchiré ma combinaison et j'aurais perdu la vie là-bas sur le pic numéro 15. Peut-être ne suis-je qu'une victime de plus et que cette horrible hallucination n'est qu'une épreuve à passer avant de me laisser rejoindre un au-delà merveilleux. Si ce n'est pas le cas, je tiens quand même à vous remercier. Anolar. C'était un Volus. Il a laissé mourir quelqu'un, mais je sais plus qui. Mais bon, ça n'a pas de grande importance. Donc Garus voulait me voir, Mordine ça sert à rien de lui parler, Joker on va pas perdre son temps. Alors on va aller à cet étage là, on va parler à Miranda aussi. Il va y avoir de nouvelles choses à nous dire maintenant qu'on a fait sa mission de loyauté. Mais on va commencer par Garus. Et après j'irai voir Tali aussi. Allez c'est parti. Garus, 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 Bakarian, Garus, 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 Bakarian. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Si Denis, vous vous rappelez, celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la Citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que si Denis a été vu avec lui... Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait Sidonis exactement? Il a rencardé les mercenaires. Il leur a donné l'emplacement de notre base. Il a prétexté un contrat bidon pour me faire sortir et il a laissé les mercenaires attaquer mon équipe. Mes hommes ont été pris au dépourvu. Le temps que je revienne, il n'y avait que deux survivants, qui sont morts peu après. Mes 10 hommes sont morts à cause de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez retrouvé? Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les humains. Il me doit 10 vies. Je ne vais pas lui faire de cadeau. C'est vraiment comme ça que vous voulez régler les choses? Oui. Vous n'êtes pas forcé d'approuver, mais j'aimerais avoir votre aide. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. Non, ça se passe à la Citadelle. Donc ça, on le fera dans une prochaine session, de toute façon. Donc là, oui, il faut que j'aille voir Tain aussi, j'avais oublié. Allons-y. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter. Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple. Le solipsisme? Quand un souvenir est aussi réaliste que la vie, alors il appartient à la vie. Réfléchir à un instant donné, c'est retrouver l'odeur de l'herbe fraîche. La chaleur d'une autre main sur la sienne. Le goût d'une autre langue dans sa bouche. N'est-il pas préférable de se perdre dans ses souvenirs que de passer la nuit seul à contempler des murs de métal et de plastique? Mais vous ne risquez pas de tomber prisonnier de vos mauvais souvenirs? Si, bien sûr. Ce n'est jamais agréable de me rappeler les balles que j'ai prises. Mais un regard à mon genou et je vois qu'il n'est pas disloqué. Le plus dangereux, ce sont les souvenirs de désespoir. Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Pratiquement. J'imagine que si nous nous rappelions le traumatisme natal, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats? Avec une parfaite exactitude. La moindre de mes erreurs. Le dernier souffle de chaque cible. Ça doit être un fardeau. À tout moment, vous pouvez revivre votre culpabilité. Non, je n'ai jamais senti de culpabilité particulière envers mes contrats.
Leur tueur était mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable ? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous aussi. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer. Par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Votre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. En somme, vous rejetez toute responsabilité pour vos actes. Toute action qu'effectue mon corps n'est pas le fruit d'un choix conscient. Pour ces derniers, j'assume la responsabilité. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps. Un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là. La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui vrillent. Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée ? Pas... Non, c'était une personne bien vivante. Vous avez quand même rempli le contrat ? Pas ce jour-là. On en saura plus la prochaine fois. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. Vous avez passé beaucoup de temps seul, Dane. Je me concentrais sur le travail, la lecture. C'est à peine si je parlais à quiconque en dehors de ma famille. Visiblement, personne ne pleurera ma mort. En 10 ans, vous êtes le premier à me traiter en ami. On en serait tous au même point si on vivait en ermite. J'ai eu des difficultés à manger mes repas au mess. J'ai coutume de rester le dos contre un mur, à surveiller les portes. J'essaie de me détendre, de trouver mon centre. Bien, bien, bien. J'adore Thane. Très bon personnage. Donc, direction le Baron Miranda. Merci pour tout, Shepard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à retrouver Oriana à temps. Je suis heureuse que Nikkett ait voulu se racheter, malgré le résultat. Merci de m'avoir retenue, commandant. Ça vous convient, le nouvel environnement de votre sœur ? Elle a ce que je voulais lui donner, une vie normale et la liberté de choisir sa voie. Et puis elle sait qu'elle a une sœur aînée, une amie. Vous comptez lui reparler ? Franchement, je ne sais pas. Pour une fois, je n'ai pas réfléchi autant à l'avance. Je m'en occuperai après notre mission. Il faut que je reste concentrée. Et de son côté, elle a besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer. Vous ne m'avez pas dit de quoi vous avez parlé. Je me suis présentée. Sa famille est tombée des nues. Elle s'est ressaisie très vite. Elle est aussi intelligente que moi. Elle fait du violon. Son morceau préféré, c'est l'adagio de la 5e de Nielsen. Comme moi. Son but, c'est de travailler dans le développement colonial. Elle m'a raconté une plaisanterie là-dessus. Elle a beaucoup d'humour. Au moins une chose qu'on n'a pas en commun. C'est dommage. C'est seulement maintenant que je découvre que vous n'êtes pas qu'un cerveau. Notre mission est trop importante. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais merci, commandant. Ma sœur est à nouveau en sécurité, et c'est en grande partie grâce à vous. Je m'en souviendrai. Ouais, ouais, ouais. Si tu pouvais oublier, ça m'arrangerait, mais bon. On va parler à Tali. Et je crois que, vu ma motivation, je vais faire une longue session aujourd'hui, d'autant plus qu'on se rapproche énormément de la sortie de Dragonborn. Ce serait pas mal que je fasse une grosse session avant l'arrivée de Dragonborn, justement. Donc, si je pouvais faire toutes mes... non. Par là. Je peux faire toutes mes destinations, ce serait cool. Tiens, on va voir ce qu'ils disent, ces deux crétins. Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique ? Pas grand-chose. Ça pompe assez peu, finalement. Ça doit venir des sous-systèmes de condensateurs intégrés. Ça veut dire que sous le feu, le boost au bouclier ne va pas tenir longtemps ? Je me trompe ?
Non, t'as raison. Ils sont conçus pour les attaques éclairs, pas pour la guerre d'usure. Ouais. Très bien. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Je dois vraiment décrasser ce moteur, peut-être plus tard. Ah bon ? D'accord, bon bah au revoir alors. Je vous laisse. À plus tard. Elle doit déjà être au courant que j'ai dragué Miranda, voilà, et puis du coup, bah, elle fait la gueule. Putain. Je vous jure, les femmes. Bref. Donc, destination suivante. Donc, nous allons aller recruter... Vous n'avez pas de message. Je sais. C'est Captain Obvious un petit peu, hein. Nous devons aller recruter la probatrice sur Ilium. Voilà. Voilà. Et le fait de recruter la probatrice va peut-être faire une avancée scénaristique supplémentaire, puisqu'on aura recruté toutes les personnes disponibles à l'heure actuelle. Et généralement, quand on fait ça, il y a une avancée scénaristique, justement. Ah, bah, le générateur de nombres aléatoires va pouvoir être utile. Donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes 10. Qui va venir avec moi ? Alors. Ok. Donc le générateur de nombres aléatoires a dit 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grunt. Ça fait longtemps. Et 7, Jacob. Ça fait un petit moment aussi. Mais Grunt, je crois que ça fait encore plus longtemps. Ouais, il a pas mal de points à mettre en place. Tiens, je vais lui mettre son Berserker Krogan à fond. On va mettre ça, voilà. Et Jacob, non. Attends, ouais. Non, tu vas améliorer ton tir percussif, tiens. Et Jacob, des munitions incendiaires améliorées. Et voilà. Donc, de retour sur Ilium. Bah, décidément, dans cette session, on aura passé pas mal de temps sur Ilium. Mais c'est pas grave. C'est con. La police n'a pas encore identifié de suspect. Je vous le trouverai pas le suspect. Au pire, personne ne voulait la voir, Nassana Dentus. C'était une grosse pute. Hein. C'est celle qui a été tuée par Tain, je vous rappelle. Putain, Grunt, t'es lent. Hein. Et Jacob encore plus. Grunt, il a une excuse, mais... Ça fait un petit moment que tu les as, monsieur Galarien. Allez, hop. Je suis désolé, je dois traverser un petit peu toute la ville. Je sais pas, ça me paraît incroyable de légaliser un trafic aussi douteux. Tous les risques sont mentionnés en bonne... Donc je dois aller parler à l'officier Dara qui se trouve ici. Je peux vous aider peut-être. Je cherche une guerrière à Sari. Une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tué quelqu'un ? Du calme, je veux juste lui parler. Quel soulagement ! Samara est la première probatrice sur Nosastra, j'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le piédestal sur le balcon. Surtout, faites preuve de respect. Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Samara est aussi dangereuse que ça ? Si vous respectez la loi... Vous n'avez rien à craindre. Une probatrice est même prête à se sacrifier pour sauver un innocent. Les probatrices combattent l'injustice en dispensant la mort. Elles font merveille dans l'espace Asari. Mais je suis mal à l'aise qu'il y en ait une ici, au contact d'autres espèces. La situation pourrait dégénérer. Pourquoi cette crainte qu'elle soit en contact avec d'autres espèces ? Si une probatrice tue une Asari, nous jugeons qu'elle avait une bonne raison, avec ou sans preuve. Mais si Samara tue un humain ? Vous pensez vraiment que l'Alliance se montrerait compréhensive ? Vous avez déjà assez de mal avec vos propres religions, alors. L'Alliance serait-elle aussi compréhensive ? Ou lui faudrait-il des preuves ? Je me trouverais dans une position difficile. Parlez-moi des probatrices. C'est un peu l'équivalent Asari des spectres. Elles sillonnent l'espace Asari pour protéger la veuve et l'orpheline
à la force du canon. Elles suivent presque toutes une sorte de quête permanente. Mais où qu'elles se trouvent, elles font respecter l'ordre et la justice. Et c'est parfois problématique. Il s'agit d'un ordre ancien, très prestigieux. Mais c'est très déconcertant d'en accueillir une à Nos Astra. Les spectres ont l'aval du Conseil. Qui est derrière les probatrices ? Eh bien, comment vous expliquer ? Elles obéissent à leur code, notre code. Il s'agit plus d'un groupe religieux que d'une organisation légale. Aucune Asari honnête n'oserait remettre en cause les ordres d'une probatrice. Personne, si ce n'est leur propre code. Une probatrice préfère mourir plutôt qu'y déroger. Je cherche Samara. Je vous l'ai dit, elle est au spatioport commercial. Oui, pardon. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal... Excusez-moi. Elle était complètement buggée, hein. Vous avez vu, les sous-titres, ils correspondaient pas, quoi. La plupart des mercenaires d'Eclipse sont des ingénieurs ou des porte-étendards. Méfiez-vous de leur pouvoir biotique et tech. D'accord. Vous êtes cons ou quoi ? Grunt et Jacob. Non. On s'en fout. Voilà. Atterrissons. Où comptez-vous aller comme ça ? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez averti. Et cette probatrice qui vient d'arriver ? Tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes ? Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefor. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Je viens de capter un truc, mais je suis trop con. Enfin, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais en fait, Samara, c'était une des personnes romançables. Enfin, si on peut appeler ça une romance, parce que ça n'est pas vraiment une, mais bon. Et en fait, j'ai clôturé le sondage après le recrutement de Tali, mais j'avais complètement oublié Samara tellement que sa romance est insignifiante, en fait. J'aurais peut-être même pas dû le proposer dans le sondage, à vrai dire, mais bon. Oh putain, j'en suis vraiment désolé. Je crois en plus que je viens de capter, mais il y a un de mes abonnés qui m'avait parlé de ça il y a quelques temps. Et j'ai pas dû comprendre sa phrase dans le bon sens, et je viens de capter que c'est peut-être ça qu'il voulait me dire, en fait. Putain, merde. Bah, je suis vraiment désolé, là, les gars. Enfin, les gars, et les éventuelles filles qui regardent aussi. Mais... une grosse maladresse de ma part, hein, tout simplement. Ah, je suis vraiment désolé. J'espère que vous n'en voudrez pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos ? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action ? D'après l'Asari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flairent la corruption pour faire parler les armes. Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous scellé. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires ? La nuit dernière, Dakhnikour a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires d'Eclipse pour faire ça. Vous devez avoir des infos sur ce groupe Eclipse. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes, et beaucoup de lumière, et paiement à l'avance. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux, et ils tuent sans hésiter. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à le tuer ? Et qu'est-ce qui vous a fait croire qu'ils en ont aussi après vous ? Qu'est-ce que j'en sais ? On est marchands, on n'a rien fait de mal. Mais s'ils l'ont tué, je dois être sur la liste, moi aussi. Il faut à tout prix que je m'en aille d'ici. La mort de votre partenaire n'a pas l'air de vous émouvoir.
Dagnicourt connaissait les risques. Tant pis pour lui. En ce moment, il ne fait pas bon être Volus au spatioport de Nos Astra. Tu bugs à moitié toi aussi, hein. Bon, allez, au revoir. Je dois y aller. Bonjour. Non, personne avec qui parler. Toi, l'ouvrier turien, peut-être ? La police refuse de l'admettre, mais c'est Eclipse qui dirige le quartier. Ok. Donc là, je pourrais pas y aller, de toute façon. Là, on a une Asari. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Asari, sans doute. Bon, ben, allons-y. Il va y avoir un petit peu d'humour dans cette conversation à un moment donné, je crois. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous ? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour ma mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Ça se comprend. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Vous laissez pénétrer une civile sur les lieux d'un crime ? Je suis policière. Je ne demande qu'à coopérer avec les probatrices. Et puis elle enquête sur les crimes depuis plus longtemps que nos deux vies réunies. Elle sait se protéger. Surtout ta vie, j'imagine. Puisque t'es une Asari, tu dois bien avoir le double de mon âge, hein ? Voire le triple. Salope. Vous laissez pénétrer une Merde, je crois que je dis la même chose, là, non ? Je suis policière. Désolé. Je dis des conneries et du coup je fais pas attention. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident interespèce. Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes en droit de leur désobéir. Les causes perdues, Shepard connaît, croyez-moi. La plupart du temps, c'est une décision raisonnable. Je ne peux pas en dire autant des supérieurs d'Anaya. Je suis policière, je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai, sauf si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Putain, c'est bizarre, j'étais persuadé. Enfin, c'est même le cas, j'en suis sûr à 100%. Mais ça doit dépendre de qui on prend avec nous. Quand on prend quelqu'un avec nous, normalement, il y a nos deux compagnons qui disent... Il y en a un des deux qui va dire... quand je dis « ne suivez pas cet ordre, vous êtes en droit de refuser, c'est une mission suicide. » Et il y a un des deux compagnons, il va faire... on devrait s'en rappeler quand la prochaine fois que Shepard nous enverra au casse-pipe. C'est-à-dire au moins deux fois par jour, après, il dit l'autre. Un truc comme ça. Samara, tu es un flic ? Pas très glorieux pour une justicière. Elle est prête à mourir pour défendre un policier honnête, comme pour attaquer un officier véreux. J'admire son dévouement, mais sa présence n'en est pas moins problématique. Il faut qu'elle parte avant que je sois obligé de l'arrêter. Comment je me rends sur les lieux du crime ? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un crime. Un marchand Volus a été assassiné. Le meurtrier est un professionnel. On peut tout de suite éliminer les junkies du coin. Je penche pour Eclipse, un gang de mercenaires local. Je n'ai aucune preuve, mais si le Volus était véreux, il pourrait s'agir d'une transaction qui a mal tourné. Faites-moi un topo sur ces mercenaires. Les mercenaires d'Eclipse sont des tueurs professionnels. Ils vendent du sable rouge et des modes d'armes illégaux, et ils font quitter la planète aux criminels. Ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque. Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices ? Ce sont, comment dire, des non-guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe qui leur intime de lutter contre l'injustice. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même, vous en pensez quoi ? Elle est probatrice depuis plus longtemps que trois de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de mettre les gens mal à l'aise. Les Asari admirent les probatrices, mais en présence de corruption, elles deviennent d'impitoyables tueuses. Et les probatrices ne quittent jamais l'espace Asari. Que fait-elle ici ? Je doute qu'elle vienne enquêter sur le meurtre d'un Volus corrompu. Je dois y aller.
Bon courage. Il faut qu'on trouve Samara avant l'inspectrice. Oui. Merci, Jacob, mais je m'en doutais un peu. Alors, allons-y.